Allez, c'est parti pour le début de la bataille. On va donc déterminer qui va jouer en premier. Donc je rappelle que les deux armées ont été déployées. Donc ici nous avons l'armée perse et l'armée macédonienne. On va prendre un dé rouge pour l'armée perse et un dé noir pour l'armée macédonienne. Le plus gros score va décider qui joue en premier. Donc ce sont les Macédoniens qui vont décider de jouer en premier. Donc tour 1 des Macédoniens. Alors on va commencer par la phase de mouvement. Alors dans la mesure où les Macédoniens n'ont que très peu d'armes de tir, si ce n'est les skirmishers, c'est tout, on va faire une avance générale. Le but va être rapidement d'arriver au contact, puisque sinon on va se prendre les tirs des immortels sur la tronche. On va devoir faire également un petit peu attention à la cavalerie qu'il y a sur le flanc. Alors la première étape va être de faire avancer les skirmishers. Alors les skirmishers, on va essayer de les faire avancer par là et on va partir en course. Voilà, on va espérer qu'ils fassent écran sur la cavalerie qui peut aller très très vite. Ensuite, on va continuer d'avancer le flanc gauche avec des piquiers et des lanciers. On va faire partir les piquiers sur la gauche dans le but de résister un maximum. On va vraiment essayer de taper les cataphractes avec les piquiers en fait, qui vont être appuyés par une unité de lanciers. Le général, on verra ensuite. Et puis ensuite, on va essayer de taper surtout sur le flanc droit. Donc on avance vraiment à fond. De toute façon, on va être obligé de subir un tir avant d'arriver au contact. Donc autant essayer d'avancer le plus vite possible. Pour ce qui est des skirmishers, on va les faire avancer également au maximum de leur portée, puisque de toute façon, ils n'auront pas la distance nécessaire pour tirer. Et pour les lanciers, bah c'est pareil, on continue d'avancer. Donc là c'est un premier tour somme toute assez classique. Et puis ensuite on va faire bouger le général. Alors sur quel flanc on va tenter de le faire intervenir? On va peut-être l'amener par là, comme ça il aura la distance de commandement probablement sur toutes les unités. Ouais, on va le mettre juste derrière. Donc là c'est la phase de mouvement au tour 1 pour les Macédoniens, elle est terminée. On va maintenant vérifier les distances de tir, mais de toute manière ils ont bougé à double mouvement, donc ils ne sont pas à portée de tir. Sur cette partie on va se permettre de vérifier les portées à tout moment. La phase de combat, il n'y en a pas non plus, donc on passe au tour 2, au tour 1 de l'armée perse. Alors pour l'armée perse, donc on passe à la phase de mouvement. Alors dans la mesure où on a du tir, en fait on va essayer au maximum d'attendre l'ennemi. Hein, ça peut paraître pétochard, mais on va faire ça. Là on voit que de toute manière je ne suis pas à portée de charge. On s'autorise toutes les mesures avant. On voit que je ne suis pas à portée de charge de mes cataphractes de sa petite unité. Donc on va simplement pas y aller et pas avancer. On va attendre qu'il continue d'avancer. On va se permettre juste un petit déplacement avec les slingers, qui sont une unité d'infanterie normale, et on va faire un mouvement normal et pas double pour pouvoir tirer. Hop. Ensuite mon général, est-ce que je vais pas l'amener sur le flanc droit pour soutenir la cavalerie, ou est-ce que je perce à fond à gauche? On va dire que pour le moment le général va rester par là, histoire de pouvoir éventuellement percer à gauche. La phase de mouvement, on va vraiment pas avancer plus et on va les laisser avancer. On va jouer entre guillemets du fond de table parce qu'on a pas mal de tirs. Justement, on passe donc à la phase de tir. On va commencer par nos slingers, donc nos javeliniers, qui ont ce genre de portée, et on se rend compte qu'ils sont à portée des skirmishers en face. Donc on va faire un tir, mais ils ont bougé. Dans la mesure où ils ont bougé, ils ont moins 1 pour toucher. Je rappelle que les slingers touchent sur du 5+, mais ils ont bougé, donc ils vont toucher sur du 6. Donc c'est vraiment une unité assez mauvaise. J'ai donc 10 dés à faire sur du 6. Je vise des skirmishers qui sont donc considérés comme individuels. C'est-à-dire que j'ai encore un -1 pour toucher. Mais dans tous les cas, un 6 est toujours une réussite, un 1 toujours un échec. Je vais donc essayer mes 10 dés à 6+. 1 et 2. J'ai donc 2 touches. On regarde le score de défense des skirmishers qui ont un score de défense de 3+, donc assez mauvais. Mais j'ai piercing -1, ce qui fait qu'ils ont une armure à 4 ou plus, et pas à 3 ou plus. Je fais 2 blessures. Donc la première chose, c'est qu'on va leur mettre un marqueur avec 2 blessures. Et on va tout de suite réaliser leur test de nerfs. Donc dans le cas des skirmishers, ils ont un score de nerfs 9-11. Je dois donc faire moins de 9 ou moins de 11. Je jette 2 dés de 6 et j'enlève les 2 points de dégâts que je viens de subir. Je fais 6, donc 6, c'est pas trop mal, 6, 7, 8 avec les points de dégâts, 8, je résiste donc et je tiens sans aucun problème. Par contre, ils sont entamés. Donc ça c'est la phase de tir de mes javeliniers. Maintenant je vais taper avec les immortels. Alors on va vérifier qui est à portée de qui, mais ce serait bien d'entamer un petit peu la phalange, ici. Et là, on va essayer d'entamer les hoplites. Donc on voit que je suis à portée dans les deux cas. Je n'ai pas bougé, donc je n'ai pas de malus. Les immortels ont un score d'attaque de 12. Il me faut donc 12 dés. 5, 10, 12 dés. De base, les immortels à distance touchent sur du 5+. Je n'ai pas bougé, je n'ai donc pas de malus pour toucher. Et mes cibles n'ont pas de bonus particulier pour résister à ces tirs. Je touche donc sur du 5 ou plus pour ce tir-là. 1, 2, 3, 4. J'ai donc 4 touches. J'ai un dé qui s'est barré là-dessous. J'ai donc réussi à faire 4 touches. Maintenant, il va falloir que je blesse. Le score de défense des piquets et de 4 ou plus. Je ne fais qu'une blessure. Ça va être très difficile de les démoraliser. Donc avec une blessure, je leur demande de faire un test de nerfs. Les Heavy Pikmin sont à 14-16. Ils ne peuvent simplement pas démoraliser à part dans le cas d'un double 1. J'ai fait 6. Ils tiennent sans aucun problème. Et maintenant on va effectuer le deuxième tir, donc j'ai dit sur les hoplites. Donc encore une fois j'ai 12 dés. Et je touche toujours sur du 5 ou plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 touches cette fois. Donc les hoplites devraient ramasser un petit peu plus. Alors les hoplites... C'est donc des Heavy Warriors qui ont un score de défense à 5 ou plus également. Non, à 5 ou plus, pas également. 5 ou plus sont donc un peu plus résistants. Et je fais quand même 3 blessures. Donc déjà, je leur mets le marqueur de blessure. 1, 2, 3. Et on va leur faire faire leur test de nerfs. Alors, ils sont à 14-16 également. Oula, c'est pas bon ça. Donc 6 et 4, 10. 10 et 3, 13. Ils sont à 14, 16. Eh ben non, c'est bon, ils tiennent. Il n'y a aucun problème. Donc là, c'est le résultat des tirs. On voit que des dégâts quand même ont été faits. Si je continue, si l'armée perse continue au prochain tour à faire autant de dégâts, ça promet de piquer pour l'armée macédonienne. J'ai terminé ma phase de tir avec l'armée perse, je vais donc faire une phase de corps à corps, mais je n'ai pas de phase de corps à corps, on va donc pouvoir passer au tour 2. Donc le tour 2 de l'armée macédonienne. Alors, on a subi des tirs, mais aucun n'est blessé. Aucun n'est shaken, entre guillemets, n'est blessé et ne peut rien faire. Donc on va pouvoir continuer notre progression. Alors, déjà, il va falloir voir concrètement ce qu'on va réussir à faire. Dans tous les cas, on ne sera pas au contact encore une fois à ce tour-là. Donc l'idée globale, ça va être de continuer d'avancer et puis d'espérer faire un petit peu de dégâts de tir avec nos différentes unités. Alors déjà ici, on va faire pas une course mais une avance normale. Et puis on va tenter de faire un tir sur l'unité qui est ici. Hop, normalement on devrait être à portée de tir. Là, soit on ne bouge pas, mais on va... non, on va pas se gêner, puisque l'interpénétration peut fonctionner, mais on va s'empêcher de tirer. On va faire un mouvement simple, et on va se mettre sur le côté. Tac, tac, tac. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pas chassé. Alors le pas chassé, c'est à la moitié du mouvement. Donc c'est, grosso modo, la taille d'un socle. Donc pas chasser sur la droite, et comme ça on peut permettre encore l'avancée de notre unité de lancier. Et normalement au prochain tour, du coup, on pourra arriver au contact. Et on va pouvoir quand même faire feu ici, puisqu'on voit il y a une ligne de vue sans aucun problème. Ensuite on va continuer notre avancée, on n'a pas le choix de toute manière. Le problème c'est qu'on va encore subir beaucoup de tirs. L'armée perse, elle a pas mal de tirs et c'est vrai que ça pique. Donc on va continuer notre avancée, on va espérer taper vraiment tout droit. Et on va faire pareil avec nos guerriers qui en ont quand même déjà pris plein la gueule. Et puis là on va tenter... on va continuer d'avancer en essayant de se mettre un peu plus de face. Hop. Et de toute façon, on va devoir subir la charge de cavalerie. Et ici, on va contourner juste là. Comme ça, on protège quand même nos flancs. Et le général, est-ce qu'on l'amène en soutien ? Est-ce qu'on l'amène en soutien à gauche ou en soutien à droite? Parce que là, au corps à corps, si on arrive au corps à corps, ça devrait bien se passer. Mais encore faut-il y arriver. On va encore subir des tirs. Alors que ici, ça devrait être assez compliqué. On va amener le général. Sur le flanc gauche. On va le mettre en soutien par là. Peut-être qu'au prochain tour il sera à portée de charge de flanc par exemple, même si ça ne sert à rien dans le cas des individuels, ce sera toujours ça de prix. Maintenant la phase de mouvement est terminée, on va donc effectuer la phase de tir. On va commencer par ceux qu'il y a juste là, qui sont donc des skirmishers, les skirmishers qui ont un nombre d'attaques égal à 8. Donc j'ai besoin de 8 dés. Je me suis déplacé puisque j'ai fait des pas chassés de côté, donc des pas de côté. Et je touche normalement, avec les skirmishers, je touche normalement sur du 5+. Mais j'ai bougé, ce sera donc sur du 6+. On vérifie la portée, on y est. Donc sur du 6 ou plus, je touche. Je ne fais qu'une touche. On va tenter de blesser. Donc blesser les slingers qui ont une très mauvaise défense. Ils sont à 3+. Et j'ai même pas réussi à blesser. Donc la phase de tir terminée pour eux. On va maintenant vérifier ici. On va tenter de faire feu sur l'unité qu'il y a juste là. On voit qu'on est à portée, mais on a bougé. On a donc toujours nos 8 tirs qu'ils touchent sur du 6. Ils ont une grosse défense, les cataphractes, mais ça se tente. Je n'ai qu'une touche, bah, décidément. Je vais tenter de blesser un cataphracte qui a une résistance à 5 ou plus. Et puis on va voir ce que ça donne. touché, enfin blessé. Donc j'ai fait une blessure à l'unité. Et ça c'est une bonne nouvelle pour nos Macédoniens. Donc on a pris un point de dégâts ici. Le test de nerf n'est même pas nécessaire, puisque dans le cas des cataphractes, si ça se tente, ça se tente. Donc les cataphractes ont un test de nerf à faire, ils sont à 12-14 de base. Oh, 5 et 5, 10, plus 1, 11. Donc vous voyez que je suis limite de ne pas être bloqué pour mon prochain combat. Mais bon, ça passe, ils sont stables, ils ne bougent pas. La phase de tir est terminée, la phase de corps à corps, on constate qu'il n'y en a pas. On va donc maintenant passer au tour 2 de l'armée perse. Allez, c'est parti pour le tour 2 de l'armée perse. Donc là, on va pouvoir commencer à lancer les combats. Alors, phase de mouvement. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire charger nos cataphractes, puisque de toute manière, c'était une évidence qu'il fallait y aller à un moment. On voit qu'ils sont à portée juste là, et que ce socle ne dérange pas. J'ai une ligne de vue entre les deux. Je peux charger, ce sont des lanciers, donc... le problème c'est que j'aurai pas mon bonus de charge, mais je suis quand même relativement costaud, normalement je devrais les tomber. Donc je lance une charge ici. Hop. Cette unité elle est bien entamée, donc ça m'embête un petit peu de l'envoyer au combat. Et sans compter qu'en plus face à de la phalange, je vais prendre très cher. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer avec notre infanterie, nos guerriers, et on va lancer une charge de face sur les piquets. Alors là, pour le bien, hop, je passe cette unité devant, je fais toujours comme ça parce que sinon je peux pas coller les unités. Donc là j'ai une charge de face. C'est parce que j'ai les pics qui dépassent en fait, et c'est vraiment pas pratique. Une fois sur le champ de bataille, c'est très beau mais c'est pas pratique. Ensuite j'ai de l'infanterie également ici. Alors j'ai du lancier et des immortels. Alors mes lanciers vont faire une charge sur la phalange. Hop. Et mes immortels vont faire feu sur les guerriers, tout simplement sans chercher à les contacter. Ici j'ai des lanciers, je me demande si ce serait pas intelligent en fait que je bouge tout ça ici, mais je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir par là. Donc soit je fais du tir parce que je suis, sinon je serais mal. Ouais, on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer le timide. Ou on joue pas le timide. Et mon général, ce serait bien qu'il se rapproche un petit peu des troupes. Donc on va faire une course de mon général dans un premier temps. Et on va venir le placer au centre, histoire qu'il accorde son bonus de commandement à un maximum de personnes. Je m'inquiète pas pour eux parce que j'espère les fumer avec les archers. Ici on va ne pas bouger, on va tanker en attendant, et il me reste donc mon unité de cataphracte entamée qui va quand même tenter une charge. Ouais, on va faire ça, on va quand même les faire charger sur cette unité parce qu'il y a la place. Donc ils ont beau être entamés, ça reste des skirmishers en face, normalement ça passe. Hop, mais ils sont entamés. Là je ne bouge pas, j'ai le général qui va me mettre une charge de flanc après, mais c'est une unité individuelle, donc ça, il n'aura pas de bonus. Donc là dans l'ensemble on est bon. Donc les mouvements sont terminés, on va passer à la phase de tir. Ici j'ai toujours mon armée mon unité de Slinger, qui ont donc 10 attaques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dés, et qui touchent de base sur du 5 ou plus. Je n'ai pas bougé, donc je touche sur du 5 ou plus. 1, 2, bon j'ai fait que 2 touches, c'est pas la joie. On va tenter de blesser, ce sont des Heavy Spearmen, donc ça va être tendu, parce qu'ils ont une défense de 5 ou plus. Et avec mes slingers, non, si j'ai piercing -1, donc ils ont une défense de 6. Et voilà, j'ai aucune blessure. Bon, on va temporiser un maximum. Ensuite, on va vérifier la portée, on est d'accord qu'il n'y a aucun problème. Les deux unités vont faire feu sur celle-ci dans l'espoir de la déglinguer. On va commencer par cette unité avec ses 12 attaques. Donc j'ai 12 tirs qui touchent de base à 5 ou plus, je n'ai pas bougé. 1, 2, 3, 4, j'ai 4 touches sur les hoplites avec la première unité. Je blesse, ils ont une défense de 5 ou plus, j'ai pas de malus particulier, donc je blesse sur du 5 ou plus. Rien du tout. Bon, les hoplites, ils ont des bons boucliers. On va maintenant faire le deuxième tir avec la deuxième unité d'immortel. Là, il faudra vraiment qu'il la finisse. Je touche sur du 5 ou plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 touches cette fois. Ça, c'est plutôt cool. Et ils ont une défense de 5 ou plus. 2 blessures. 1 et 2. Donc 2 blessures, ils en avaient déjà pris 3, ils passent à 5. On va espérer qu'ils ratent leur test de nerfs. Donc les guerriers hoplites, donc ils sont à 13-15, mais ils ont pris 5 blessures. Et j'ai donc pris 5 blessures, je jette 2 dés à 6 faces. Je fais 5 et 5, 5 points de dégâts, je suis donc à 10. Et mes guerriers sont à 13-15, donc ils tiennent, ils sont stables, c'est costaud les hoplites, c'est costaud. Donc là on va se retrouver un petit peu mal, en tout cas par ici, parce que bah, les hoplites ils tiennent, ils sont costauds au corps à corps. Donc on a fini la phase de tir, on va passer à la phase de corps à corps pour l'armée perse. Alors phase de corps à corps pour l'armée perse, là il va y avoir pas mal de combats. On va commencer dans ce sens là, donc on va commencer par ici, c'est donc une unité de lanciers de l'armée perse. Hop, je regarde juste sur ma fiche où ils sont. Donc ils sont là. Spearman, donc ils touchent à 4+. Alors, j'ai 15 attaques. Et ils ont la compétence phalange. Donc phalange, pour rappel, les unités qui chargent de front cette unité n'ont pas de bonus de Thunder ou charge. Mais là, c'est pas le cas. Et je m'attaque donc à des Heavy Spearmen. Et dans leur cas, donc ils ont Hand Snare, c'est-à-dire que quand on les charge de face, on les touche avec un -1. Donc de base, je touche à 4+, je vais toucher à 5+. Donc j'ai donc 15 attaques. Qui touche sur du 5+. 1, 2, 3. Oh là, j'ai que 3 touches. Maintenant, la phalange a une sauvegarde à 4 ou plus, il me semble. C'est ça, une défense à 4 ou plus. Bon, je fais 3 blessures. Donc, je leur mets leurs 3 points de blessure. Hop, et on va tout de suite faire leur test de nerfs. Et normalement ils tiennent sans aucun problème, puisqu'ils sont à 14-16, ouais, à part sur un gros coup de malchance. Si c'est de 8 et 3 points de dégâts, on est donc à 11, et ils sont à 14-16, donc c'est stable, il n'y a aucun problème. L'unité est stable, je recule de 1 pouce, j'ai effectué mes dégâts au corps à corps, on va passer au deuxième combat. Donc ici, ce sont des guerriers. Des guerriers qui ont 12 attaques et qui touchent de base à 4 ou plus. Mais encore une fois, j'ai -1 pour les toucher. Donc je vais toucher sur du 5 ou plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai donc 12 attaques à toucher sur du 5 ou plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est déjà un petit peu mieux. C'est même un jet plutôt bon. Ils ont une défense à 4 ou plus, je n'ai pas de bonus particulier. 1, 2 et 3. J'ai donc fait 3 points de dégâts, ils étaient déjà à 1 et ils passent à 4. On va leur faire faire leur test de nerfs immédiatement. 2D de 6 plus 4, 7 et 4, on est à 11, ils sont à 14, 16. Ils sont stables, l'attaquant recule de 1 pouce. On passe ensuite à mon unité de cataphracte. Donc l'unité de cataphracte, elle a 9 attaques de base. Elle touche à unit size 4+. Elle a Thunderous Charge, mais ça ne s'applique pas pour le moment. Parce que ce sera au moment des blessures. Et elle est brutale, et ce sera au moment de la phase de nerf. Donc je touche sur du 4 ou plus. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai donc fait 5 touches. C'est là que maintenant va s'appliquer l'avantage de Thunderous Charge. Donc j'ai la défense des skirmishers est à 3+. Donc de base je touche à 3+, mais j'ai 2 de bonus grâce à Thunderous Charge 2. 3+, 2+, 1+. Donc je jette les dés, si je fais des 1, c'est pas bon. J'ai quand même fait un 1, mais je mets quand même 4 blessures. Bon, et normalement, il devrait dégager. Alors je mets mon marqueur de 4 blessures. Et je fais immédiatement mon test de nerf. 2D de 6. Oh bah, il passe combattant jusqu'à la mort. Parce que j'ai fait un double 1. Donc double 1, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus être désorganisés. Et c'est soit ils sont morts, soit ils sont plus là. On perd leur premier seuil. Les skirmishers sont à 9, 11. Donc maintenant il faut que je fasse 11 plus de nerfs pour les tuer. Là j'ai fait 2, 4, 6. Et ben ils vont tenir. Hein. Ils vont tenir les petits saligots. Et je recule de 1 pouce. C'est les figurines qui se gênent un petit peu. Allez, on passe au dernier combat. Donc là c'est mon régiment de cataphractes. Donc le régiment de cataphractes, il a 18 attaques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 dés. Alors, ce sont des lanciers. Ils ont donc phalange. Je n'aurai pas le bonus de Thunderous Charge. Mais pour le moment, pour les toucher, c'est sur du 4+. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11 et 12. J'ai quand même 12 touches. Les guerriers hoplites lanciers ont une défense de 5 ou plus. C'est solide. Et j'ai pas le bonus de Thunderous Charge parce que c'est des lanciers. 1, 2, 3 blessures. Oh là là, ça va tenir. Hein. Ça va tenir. Je mets donc 3 blessures sur cette unité. 1, 2, 3. Et je fais le test de nerf immédiatement. 7 et 3, 10. Ils sont à... Ah, 10, 12. Donc j'ai fait pile poil mon score. Donc en fait, je suis désorganisé. Et l'attaquant recule. Donc au prochain tour, ceux-ci ne pourront que reculer sur eux-mêmes, faire une halte ou se réorienter. C'est tout. On a terminé les phases de corps à corps. On va pouvoir passer au tour 3. Ok, c'est parti donc pour le tour des Grecs. Alors, on va donc commencer par la phase de mouvement, parce qu'on a quand même pris cher au tour suivant. Ça va être à nous maintenant d'affliger un petit peu de dégâts. Alors, les premières choses à faire sont les phases de charge. Je vais faire une charge droit devant ici, tout simplement, parce que c'est des slingers en face, j'ai même pas peur. Ensuite, on va également faire une contre-charge droit devant. On va aller taper le général comme prévu. D'ailleurs, cette unité était légèrement ailleurs. Elle était plutôt par là. J'ai eu un problème au moment du montage, donc vous inquiétez pas. Là, dans l'ensemble, cette unité, elle était là. Elle avait prévu d'aller taper le général. Ici, on va également aller tout droit. Là, on ne peut pas charger, on ne peut rien faire, à part une halte ou une marche arrière. Donc on va simplement reculer. Non, on ne va pas bouger. Et on retire le marqueur. Ici, on va aller au corps à corps, parce que l'avantage, la différence, si on fait du tir, on ne pourra pas faire d'avance, par exemple tout droit ou de réorientation, alors qu'au corps à corps, on pourra potentiellement en faire une si on arrive à la détruire, ce dont je doute. Et puis en plus, on a autant d'attaques au corps à corps qu'au tir, tout simplement. Ensuite, notre général, il va tenter une charge de flanc, puisque je vois son problème de face ici. Même si la charge de flanc ne sert pas à grand chose, donc en fait on est d'accord que la charge de flanc c'est hop, j'avance, j'ai droit à une réorientation et je tape. J'aurai aucun avantage à faire une charge de flanc puisque je suis un individuel, mais c'est toujours ça de prix tout simplement. Et puis ça fera des dégâts. Et puis ensuite on passe à la phase de mouvement normal, donc j'ai mes skirmishers sur la partie droite là à faire bouger. L'avantage de ces skirmishers, c'est qu'ils n'ont pas de malus en passant dans des terrains compliqués, donc on va les faire aller, on va les mettre hop là-dedans, donc ils vont tout droit, ils vont peut-être se prendre des tirs mais ils sont à couvert, on verra bien ce que ça donne, au moins on menace un petit peu le flanc gauche des immortels au cas où au centre ça ne passe pas. La phase de tir, on n'a pas de tir, puisque eux ont bougé de leur plein mouvement, ils ne peuvent donc pas faire feu. On va donc passer à la phase de corps à corps, qui elle va être bien chargée. Donc pour la phase de corps à corps, j'ai donc une unité de Heavy Spearman ici, qui va taper en face. Ils ont 10 attaques, et ils touchent de base à 3+. Donc j'en mets quand même 7. Les Slingers perses ont une défense de 3. Donc je leur mets 5 points de dégâts. Et on va tester leur nerf immédiatement. Donc les Slingers, ils sont à 9-11. Je fais 6 et 5, 11. Ils sont désordonnés. Je me recule du corps à corps. On passe ensuite à cette unité de phalange qui a 15 attaques et qui touche de base à 3+. Je n'ai aucun modificateur particulier concernant l'unité d'en face. Ou bas. Donc ils se prennent 14 touches. Et ils ont une défense à 4+, les Perses. Donc là ça pique très très fort, puisque je leur mets 4 et 3, 7 points de dégâts en une charge. Donc 7, ça fait très très mal en un tour. On va voir s'ils arrivent à tenir, sachant que les lanciers perses sont à 13-15. 6 et 7, on est à 13, donc ils sont désordonnés également. Bon, ça commence à être compliqué en face au niveau de l'armée perse, mais on a toujours les immortels qui restent derrière. Ensuite, j'ai mes hoplites. Donc mes hoplites, c'est des Heavy Warriors qui ont 12 attaques. Et les Heavy Warriors, donc les hoplites, touchent à 3+ sur un général. Oh, ça pique aussi, ça. Ça pique. Je leur mets quand même 10 coups. Le général a une défense à 5+. Bah dis donc. Oula, le général, il va prendre cher. Ouais, parce que le général, là, il prend quand même 5 blessures. Donc 5 blessures sur le général, on va lui faire son test de nerf tout de suite, il est à 11-13. 6 et 5, 11, et il est désordonné également. Donc je recule. Bon, c'est dommage, je l'ai pas tué en un coup. Donc là, je vais prendre très cher avec les immortels en face. On passe à l'autre unité de piquets, qui ont toujours leurs 15 attaques, et qui tapent sur des guerriers perses. Et qui touchent sur du 3. Donc je leur mets 9 touches, et je les blesse sur du 4+. Ah, c'est pas folichon là. Bon, si c'est honnête. Donc je leur mets 4 points de dégâts. Donc 4 points de dégâts. On va faire leur test de nerfs immédiatement. Sachant que les guerriers sont à 13-15. Oh, 9 et 4, 13. Bah, ils sont désordonnés. Donc là, au niveau de l'armée perse, c'est compliqué. Et je me retire du corps à corps. Ensuite, j'ai mes petits skirmishers qui ont 8 attaques et qui touchent à 5+. Ah, bah, ils sont pas mauvais, mes skirmishers, là. Donc j'ai 4 touches. Je blesse sur du 5+, parce que c'est du cataphracte. Oula! Et ben, je vais en remettre quand même 3. Sachant qu'ils en avaient déjà pris un, ils sont à 4. Je fais donc un test de nerfs pour mon unité de cataphracte, qui sont à 12-14. Oh, 11. Ça sent pas bon là, 11 et 4, on est à 15 et ils sont détruits. Alors vu que j'ai le général dans un rayon de 6 pouces et qu'il est très inspirant, je peux tenter de refaire manger. Je suis obligé de prendre le second, mais bon, vu que là ils sont détruits, on va le tenter. 7 et 4, 11. Les cataphractes sont à 12, 14, et cette fois ça passe. Donc, je recule de 1 pouce. Donc là, c'est clairement le général qui a ordonné au cataphracte de tenir le combat coûte que coûte. Ensuite, j'ai mon général à cheval ici qui va faire ses 3 attaques sur les cataphractes. Je suis individuel, donc j'ai pas de bonus de flanc. Je touche sur du 3+, donc j'ai 2 touches. Et ils ont une défense de 5+, mais j'ai Crushing Strength, donc j'ai une force surhumaine. Donc au lieu du 5+ de défense, je suis à 4+. Et je leur mets 2 blessures. Je vais tester leur nerf immédiatement, même si, à part dans le cas d'un double 6, il n'y a aucune chance qu'ils se barrent. 4 et 2, 6, et 2, 8, ils sont à 15, 17, ils sont larges. Je me retire du combat. On a terminé la phase de corps à corps. Dans l'ensemble, on a mis quand même très très cher sur le flanc gauche de l'armée perse, parce que là, ils vont se retrouver dans une situation compliquée avec pas mal d'unités qui ne peuvent pas contrecharger. D'ailleurs, je me suis pas retiré du combat ici. Par contre, sur le flanc droit, ça sent pas bon. Donc, on va bien voir ce que ça donne. On va passer au tour 4 avec l'armée perse. Allez, c'est parti pour ce tour avec l'armée perse. On va donc commencer avec la phase de mouvement. La première chose à faire est d'ordonner les charges, mais il y en a pas mal que je ne peux pas faire. Bon, déjà ça va taper tout droit. Ça va taper tout droit. Je peux pas faire de réorientation et taper le général simplement parce qu'il n'est pas dans ma ligne de vue au début de ma phase de mouvement. Ici, je ne peux pas charger parce que j'ai pris cher. Alors soit je fais une réorientation, soit je recule, soit je bouge pas. Donc on va on va reculer, je pense, histoire d'ouvrir. Donc là, on enlève et on recule d'un demi-mouvement. Hop, voilà. Les pics des phalangeux, c'est joli, mais... Ici, on va reculer également d'un demi-mouvement. On va faire une retraite. Ici, bah, on va reculer, même si dans l'ensemble ça sert pas à grand chose. De toute façon, on peut pas charger. On va essayer de remonter la ligne, en fait, tout simplement. Enfin, de redescendre la ligne. Et ici, on va reculer également. Donc là, on a une percée des Grecs qui implique pas mal de problèmes. Donc on voit que voilà, ça a bien vraiment bien poussé sur le flanc droit de l'armée grecque, donc sur le flanc gauche de l'armée perse. Donc on a terminé les phases de mouvement, les phases de tir. Donc on a ici uniquement nos deux unités d'immortels qui vont pouvoir faire feu. Alors j'ai cette unité qui va tirer tout droit sur les hoplites. Alors les immortels, ils ont 12 attaques. Et en tir, il touche à 5 ou plus. C'est pas folichon, je mets 3 touches. Après, ça peut suffire à les désorganiser, même à les tuer. Ils ont déjà pris beaucoup de dégâts. J'ai 3 touches et les heavy warriors, donc les hoplites, ils ont une défense à 5 ou plus quand même, c'est solide. Je leur mets une blessure. L'avantage, c'est que, vu que je leur mets une blessure, je les oblige à faire un test de nerfs. Sachant que là, ils ont déjà pris 6 points de dégâts. Donc, on va leur faire faire un test de nerfs. Les Heavy Warriors sont à 14-16. Je fais 5 et 6 points de dégâts. On est à 11. Ils sont à 14-16. Ils bougent pas. C'est solide, hein. Alors, maintenant, avec cette unité, soit je tire sur les hoplites dans l'espoir de les déglinguer, soit sur la phalange. J'aimerais bien finir ces hoplites pour me libérer. Donc, je vais encore faire feu ici. Avec l'autre unité d'immortel. Donc j'ai toujours 12 attaques, j'ai pas bougé, je touche toujours sur du 5 ou plus. Et ben dis donc, les tirs perses, c'est pas la folie, hein. Donc j'ai qu'une touche, et les hoplites ont une défense de 5 plus, même pas. Donc je leur occasionne même pas de nouveaux tests de nerfs. Bon, c'est vraiment pas tout pour la phase de tir. Et j'ai terminé mes tirs, hein, puisque c'était les deux seules unités qui pouvaient faire feu. On va maintenant passer à la phase de corps à corps, donc il n'y en a qu'une et il n'y en a que deux, elles sont ici. Donc j'ai mes cataphractes qui ont chargé les lanciers. Donc c'est un régiment de cataphractes qui a 18 attaques. Et qui touche de base à, ça tape très fort, à 4 ou plus. J'ai pas de modificateur particulier, c'est des lanciers. Le seul truc, c'est que j'aurai pas l'avantage de Thunderous Charge, puisque les lanciers sont considérés comme phalanges. Donc je touche à 4 ou plus. Hop. Donc je leur en mets quand même 8 touches. Et les lanciers grecs ont une défense à 5 ou plus. 1, 2, 3, 4. Oula, ça peut pas sentir bon pour mes lanciers grecs. Donc 4 blessures. Ils étaient déjà à 3, ils passent à 7. Donc là, ça va faire moins les malins. On va leur faire un test de commandement. Ils sont légers quand même en eux, puisque c'est des simples unités. Ils sont à 10-12. 6 et 7 points de dégâts, on est à 13, ils sont détruits. J'ai le général qui est à proximité, et je vais tenter un nouveau test de commandement, et je prendrai le nouveau résultat, puisqu'il est très inspiré. 7 et 7, 14, c'est pareil, ils sont également détruits. Première perte chez l'armée grecque. À la suite de ce combat, soit je fais une avance droit devant d'un dé de 6 pouces, soit je fais une réorientation. Et ce qu'on va faire, c'est que... soit je bouge pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une avancée droit devant d'un dé de 6 pouces. Donc 5, vu que j'ai divisé toutes les mesures par 2, on est à 2,5. Donc 2,5, tac, ça donne ça. Ce qu'ils appellent la percée. La deuxième phase de corps à corps, elle est juste là, et là cette fois c'est une unité de cataphractes. Donc ils ont 9 attaques. Et ils touchent à 4 ou plus. Et là, ça fait très mal. Est-ce que j'en mets 5, 6, 7 ? Donc cette attaque, ils ont une armure très faible. Ils sont à 3 plus de défense. Et en plus, j'ai brutal, et enfin j'ai crushing strange, donc en fait, je les touche sur du 2 ou plus. Et ben j'ai tout touché. Donc là, très clairement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 touches, enfin 7 blessures. Ils en ont déjà pris 4, ils sont à 11. Ils ont un score de nerfs 9, 11. Ils sont détruits. Il n'y a même pas d'histoire de test de nerfs. Ils ont pris autant de points de dégâts que leur capacité. L'unité est détruite. Encore une fois, je peux faire une réorientation ou reculer ou avancer tout droit. Je vais faire une réorientation de 90 degrés. Hop. Par contre, là, j'offre mon arrière au général, mais en fait, le général étant individuel, il n'aura pas de bonus de charge arrière ou de flanc. Donc, dans tous les cas, je vais être obligé de me le prendre. Bon, attends, je préfère être de face par rapport à la phalange. Son général m'inquiète un petit peu moins. La phase de corps à corps, elle est terminée. Donc, on a quand même fait pas mal de pertes. On a enlevé une unité de lancier. Donc, on voit très clairement que l'armée perse arrive à percer à droite. Alors, qu'est-ce que vont donner nos petits Macédoniens? Comment ils vont se sortir de cette phase un petit peu compliquée à la suite de pas mal de pertes? Alors, l'avantage, c'est que déjà tout le monde va pouvoir agir, parce qu'il n'y a pas eu d'unité blessée particulièrement ou autre. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir faire quelques mouvements. Alors, celle-là, elle a déjà pris quand même cher. Là, on est obligé de charger droit devant, là aussi. On aura toujours les immortels qui vont nous poser de gros problèmes. On va faire des charges droit devant, en fait. On va aller au combat. Donc là, je fais une charge sur cette unité. Normalement, elle devrait y passer parce que je vais faire une charge combinée ici, de flanc. Donc là, il y aura quand même beaucoup d'attaques. Je pense qu'ils vont y passer. Ensuite, ma phalange va également continuer d'avancer tout droit et on va tenter de terminer cette unité qui commence à nous les gonfler. Méoplite, alors là, ça devient un petit peu plus compliqué. Soit, ce serait vraiment cool de pouvoir terminer le général. Parce que sans général, ils vont quand même faire vachement moins les malins. Mais on aura toujours les immortels qui vont nous mettre très cher au tour suivant et on est obligé de les finir quoi. Mais bon, allez, pour la gloire, on va tenter d'aller finir le général. Paf. Méoplite. Alors soit je les réoriente ici, histoire de... Parce que je peux pas charger là par contre, vu que j'ai pas de ligne de vue de face au début de ma phase de corps à corps, je me réoriente en fait juste dans le but de réceptionner leur charge au prochain tour. Ou alors je charge droit devant mais je vais me prendre une charge par l'arrière. Il me semble que le plus malin ça reste quand même de se réorienter. Hop, juste là. Et on va se mettre même légèrement de biais pour réceptionner une charge de face ici ou ici. Et mon général, alors mon général, cette unité elle a déjà pris cher, et celle-là elle a pas pris, elle a pris 2 points de dégâts, donc celle-là je la tuerai pas, par contre celle-là potentiellement elle a déjà pris quand même 4 points de dégâts, peut-être que je peux la faire disparaître, mais en même temps celle-là aussi, celle-là elle a déjà pris 4 aussi. Alors, est-ce que je me libère de eux, ou est-ce que je tente de me libérer de eux, ou je tente de me libérer de eux? Moi, je serais d'avis d'essayer de finir une unité de cataphracte quand même. On va leur faire une charge. Donc, une charge sur l'unité de cataphracte. J'ai terminé ma phase de mouvement, je vais passer à la phase de tir, mais je n'en ai pas. Donc, on va passer à la phase de corps à corps. On va faire dans ce sens-là comme d'habitude. Donc là déjà, on a une charge de flanc des slingers. Alors il faut savoir que toutes les attaques sont mises en même temps. Donc on va différencier les couleurs de dés en fonction des différentes unités. Donc les slingers seront en rouge, sachant que les skirmishers, pardon, ils ont 8 attaques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et mes lanciers, ils ont 10 attaques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais mes skirmishers attaquent de flanc. Donc ils doublent leurs attaques. Donc on va inverser les dés, on va dire que les rouges, c'est les lanciers. Et les noirs, c'est les skirmishers. Les skirmishers, donc les dés noirs, touchent sur du 5 ou plus, alors que les dés rouges touchent sur du 4 ou plus. Non, sur du 3 ou plus. Donc les dés rouges, 3 ou plus, les dés noirs, 5 ou plus. Alors, dés noirs 5 ou plus, déjà ils font très très mal aussi, quand même, ils sont forts. Puis en plus, ils attaquent de flanc, donc il y a quand même beaucoup de dés. Donc tout ça, on enlève. Et mes dés rouges qui touchent sur du 3 ou plus, ils font aussi très très mal. Donc là, ça va piquer. Maintenant, la couleur des dés n'a plus d'importance, puisque ce sont les dégâts de défense. Donc en défense, en plus, ils ont une très mauvaise défense, puisque c'est des slingers, ils sont à 3 ou plus. Normalement, ça devrait y passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je leur mets 8 points de dégâts, ils en ont déjà pris 5, ils sont à 13. Ils sont à 13 et ils ont un score de nerfs de 9, 11, ils sont détruits. Paf, première perte, perse. Alors maintenant, je vais faire une réorientation avec cette unité. Et on va faire une avance d'un dé de 6 pouces, enfin, d'un dé de 3 pouces droit devant. Non, ça sert à rien en fait. Je vais faire une réorientation. Non, je fais une halte. Voilà. Une simple halte avec cette unité qui est juste là. On passe à cette phase de corps à corps. Donc ici, on a des Heavy Pikmin. Qui ont donc 15 attaques et qui touchent de base à 3 ou plus. Donc j'ai 7 touches et je blesse sur du 4 ou plus. Et je leur mets 4 points de blessure. 4 points de blessure, ils étaient à 7, ils passent à 11. Donc là c'est très très mauvais pour eux, puisque ce sont des lanciers qui sont à 13, 15. Ah. Donc les Perses sont très très chanceux, eux ils vont combattre jusqu'à la mort à partir de maintenant. Ce qui implique que maintenant leur score de démoralisation est à 15, tout simplement. Là j'ai fait 2 plus 11 points de dégâts, donc on est à 13, donc ils sont simplement pas morts. Et je me recule. Et donc les Perses, ils tiennent bon. Voilà, ils vont y passer au tour prochain, mais ils tiennent bon. J'ai ensuite le hoplite, mes hoplites qui vont tenter de mettre des attaques dans la tronche du général, et puis on va espérer qu'ils arrivent à le tuer. Donc les Heavy Warriors ont 12 attaques. Et ils touchent à 3 au plus. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 touches. Et le général a une défense à 5 ou plus. Et ben je mets qu'une blessure. Donc une blessure au général qui en avait déjà pris 5. Il passe à 6. Ça commence à être mauvais pour le général également. On va lui faire faire son test de commandement. Il est à 11, 13. 4 et 6, 10. Il tient bon. Il tient bon le général. Hop, on se retire du combat. Là, le fait que ça ait tenu, ça va compliquer les choses pour l'armée grecque. On a terminé ce corps à corps. Là, il n'y a pas de corps à corps. Ici, mon général qui va tenter ses 3 attaques, qui touche de base à 3 ou plus. Et j'ai 2 touches. Les cataphractes ont une défense à 5 ou plus, mais j'ai Crushing Strange à 1. Donc, ils ont une défense à 4 ou plus. Et je fais aucune blessure. Donc, aucune blessure. Je leur occasionne même pas de test de nerfs. Je recule du combat. On a terminé ce tour pour les Grecs, qui n'étaient pas folichons. Hein, ça aurait pu taper beaucoup plus fort. On va enchaîner avec les Perses. Allez, c'est parti pour le tour des Perses. Donc, en phase de mouvement, déjà, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, est-ce qu'on a des charges à ordonner? On va faire une charge combinée ici. Donc, les deux tapes de face. On va faire aucun mouvement, mais non, il faut ordonner les charges dans un premier temps. Là, on va faire une charge combinée du général et de mon unité de guerrier, d'immortels au corps à corps, parce qu'au corps à corps, ils sont très bons. Tac, tac, tac. On va faire une charge droit devant. Et on va faire une rotation avec cette unité. Là, on dépense tout ça. Donc, qui compte comme un mouvement pour qu'elle puisse faire feu en face. Et ici, une rotation sur elle-même, sans aucun mouvement, qui compte comme un mouvement complet pour ces cataphractes. La phase de mouvement est terminée. Donc là, on est d'accord que la charge, elle est comme ça. On a donc une phase de tir. Alors, phase de tir, j'ai simplement E à faire tirer droit devant. Ça va être sur E parce que j'ai pas une bonne visibilité sur E. Donc, on va essayer de les finir ceux-là, mais j'ai bougé. Donc, je vais avoir un malus. Donc, les immortels, là, ils ont 12 attaques. 1, 2, 3, 4, 5. Et ils touchent à distance à 5 ou plus. Mais vu que j'ai bougé, je touche à 6 ou plus. Donc, à 6. Et je mets 2 touches. En face, j'ai des skirmishers qui ont une défense à 3 ou plus. Ah, je leur mets aucune blessure. Rien du tout. Donc ce tir était dans le vent. On a terminé la phase de tir, on va passer à la phase de corps à corps. Alors là, il y a pas mal de charges multiples. Donc on a les cataphractes qui ont au corps à corps, c'est une unité de cataphractes, ils ont au corps à corps 9 attaques. On va les faire au fur et à mesure, hein, ce sera plus simple. Donc 9 attaques au corps à corps qui touchent à 4 ou plus. Mais eux sont considérés comme un snar. C'est-à-dire que pour les toucher, j'ai moins 1, donc je touche sur du 5 ou plus. Donc j'ai 1, 2, 3 touches quand même. Je les blesse, ils ont une défense à 5 ou plus, mais je suis censé avoir tonne de charge, mais ils ont phalange, donc en fait ça s'annule, donc je les blesse tout simplement sur du 4 ou plus. C'est la défense, pardon, des phalanges, c'est 4 ou plus. Et j'ai une blessure. Donc, ils passent à 5 points de blessure au total. Avant de faire le test de nerfs, on va terminer la phase de corps à corps, puisque j'ai également mes guerriers perses qui ont 12 attaques à leur mettre sur la tronche. Les guerriers perses touchent de base à 4 ou plus, mais 5 plus parce que c'est des piquets. Bon, bah ça va piquer aussi. Et maintenant, on les blesse sur du 4 ou plus. Ouh là là, ils vont y passer là, les piquets. Donc je leur mets 5 blessures. Ils étaient à 5, ils passent à 10 points de blessure. On va leur faire faire un test de commandement. Je rappelle que les piquiers grecs sont à 14-16. 5 et 10 points de dégâts, on est à 15. Ils sont donc désordonnés. C'est la moindre des choses. Donc, fin du combat, je me retire et je me retire. On passe à cette phase de combat, j'ai mon général qui va mettre 3 attaques, et qui touche de base à 3 ou plus. Je mets 3 touches, je blesse ensuite, les Heavy Warriors sont à 5 ou plus de défense. Et pas une blessure le général, en fait il touche bien mais il a des armes en mousse. Et ensuite j'ai mes immortels, donc les immortels on va les voir enfin au corps à corps, ils ont 12 attaques, et ils touchent sur du 3 ou plus. Ah mais ils attaquent de flanc, donc je vais rejeter ces dés. Donc sur du 3 ou plus. Deux, 3, 4, 5, 6, 7. Donc sur la première vague, j'ai mis 7 touches. Sept, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je leur mets 16 touches. Donc 5 et 5, 10. Et 5, 15 et 1, 16. Et maintenant, les hoplites ont une défense de 5 ou plus. Bon, il fallait bien ça, hein. 1, 2, 3, 4 blessures. Donc 4 blessures sur les hoplites, qui avaient déjà pris cher, hein, ils étaient déjà à 6. Ils passent à 11 points de blessure. On va leur faire faire leur test de nerfs, faut pas déconner. 4 et 4, 8. Et 11, 19, les guerriers hoplites sont à 13, 15, ils sont détruits. Mais j'ai le général à portée de Very Inspiring, on va retenter le coup, on sait jamais. Non, 4 et 4, 8 et 11, 19, c'est exactement pareil, ils sont détruits. Donc les hoplites, paf, pastèque. À la fin de la phase de commandement, je suis censé faire soit une réorientation, soit une halte, donc mon général on va dire qu'il va rester tranquille ici, et là on va faire une réorientation, hop, histoire de pouvoir assurer de tous les côtés. Cette phase de corps à corps est terminée, on passe à la suivante. Donc la suivante c'est des lanciers perses qui ont 15 attaques. Et qui touche de base à 4 ou plus. Mais 5 ou plus parce que c'est des piques. Bon, ça fait quand même mal, hein. Une très belle attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je leur mets 8 touches et je blesse sur du 4 ou plus. 3 points de blessure. Donc 3 points de blessure, ils étaient à 3, ils passent à 6. Ils vont faire leur test de nerfs à plus 6. 7, 7 et 6, 13, l'unité de piqué est à 14, 16, ils tiennent bon. Donc je recule. Là je recule, je me retire du combat. Et bah toutes les phases de corps à corps sont terminées. On peut voir que c'est surtout l'armée grecque qui a eu des pertes pour le moment, ce qui est bien représentatif des tirs des Perses qui ont été efficaces au début de la bataille. Mais là c'est quand même mal engagé pour l'armée grecque, on va voir ce qu'elle arrive à faire au tour suivant. Allez, comment vont se sortir les Grecs de cette phase un petit peu compliquée? Donc on va déjà commencer par la phase de mouvement. Avec les déclarations de charge, sachant que là, mes piquiers, ils ne peuvent pas charger. Donc soit je fais une retraite, soit je fais une réorientation. Donc on va reculer de la moitié de leur mouvement. Ça mettra peut-être un petit peu de distance. Voilà. Et donc j'ai retiré leur marqueur. Et tous les autres vont pouvoir bouger. Alors... on va faire une déclaration de charge déjà sur l'arrière de ces cataphractes. On va croiser les doigts pour réussir à les tomber, parce que ceux-là, ils sont encore en pleine forme. Ici, on va charger droit devant. On est à portée. Ça pose pas de problème. On va pas leur faire très mal, mais on peut leur faire quand même quelques dégâts. Ici, on va faire une charge de flanc. Et là, une charge de face. On a terminé la phase de mouvement. On va passer à la phase de tir. Mais bon, il n'y a pas de phase de tir. On passe donc à la phase de corps à corps. On va commencer par le général qui met 3 attaques et qui touche à 3 au plus. J'ai 2 touches. 2 touches, ils ont une défense de 5, mais 4 parce que je suis fort, donc 4 ou plus en dégâts. Je leur mets 1 point de blessure. Ils étaient à 4, ils passent à 5, ils font un test de nerfs. Double 1. Donc ceux-là aussi, ce sera jusqu'à la mort qu'ils combattront. Donc bah non, ça passe pas, évidemment. Ils sont toujours au combat, et ils sont invulnérables au test de nerfs. C'est jusqu'à la mort. Exactement comme eux. Mais eux devraient normalement y passer. Phase de corps à corps avec la phase compliquée ici, on a des lanciers grecs qui ont donc 10 attaques. Deux flancs, multipliés par 2 donc. Donc on met 20 attaques, et on touche à 3 ou plus. Et bah ça pique. Parce que sur les 20 attaques, j'en mets 16. Ils ont un score de défense de 4 ou plus. Ah par contre, ça tape en 9. Hein. Donc j'ai 4 blessures, déjà. Donc ils étaient à 11, ils passent à 15. 15 points de dégâts. Sachant que c'est des lanciers. C'est leur score de nerfs, ils sont morts. On va même pas faire les attaques de la phalange, c'est pas nécessaire. Donc une unité de lancier perse qui disparaît. Donc là, à la fin de la phase de cette phase de combat, on peut faire une avance droit devant, une réorientation. Donc on va faire une réorientation des piquets ici. Et une halte avec mes lanciers. Donc cette phase de corps est terminée, on passe... bah non, il n'y en a plus. Il n'y a plus de phase de corps à corps. On va donc passer maintenant au tour des Perses, qui vont devoir enchaîner. Donc là c'est parti pour le tour 6 de l'armée perse. Donc là on est sur la fin de la bataille, on approche, hein, puisque le tour 6 c'est le dernier tour automatique. Après il va falloir jeter un dé pour savoir si la partie continue ou pas. Alors, donc tour 6, phase de mouvement. Alors, phase de mouvement des Perses. On va faire une charge combinée on va faire une charge combinée ici. Paf et paf. Et on va faire une charge de mes cataphractes sur le général. Là, c'est quand même mal engagé pour les Grecs, hein. Ensuite, on va également faire une... ou alors on va les avoir au tir. Parce qu'après, on va leur offrir notre flanc. Donc on va simplement les avoir au tir. Et le général, on va... C'est un général à pied. Un général à pied qui se déplace... de 5 pouces. Est-ce que je suis à portée de charge ici? Non, je suis pas à portée de charge. On va simplement se placer potentiellement... Non, en fait, on va pas bouger. Hop, voilà, juste là. Et là, on va faire du tir. Ici, on a oublié de reculer le corps à corps de tout à l'heure. Donc, on va les avoir au tir également. Tout simplement. Donc la phase de mouvement elle est terminée, on va passer à la phase de corps à corps. Donc j'ai mes cataphractes, donc là c'est un régiment de cataphractes qui tape fort, hein, parce qu'ils ont quand même 18 attaques. Et qui touchent de base à 4 ou plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 touches sur le général grec. Le général grec, il y a une défense de 5, mais j'ai Thunder aux charges, donc il passe à 3 ou plus. 1, 2, oula, le général romain devrait y passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points de blessure sur le général romain, le général grec, pardon. Donc 8 points de blessure, on va lui faire faire son test de nerf tout de suite, sachant que il est à 11, 13. 4 et 4, 8. 8 et... on a dit combien déjà? 8 et 8, 16. Normalement, il est détruit, mais en général, il peut refaire son test. Oh, bah, c'est encore pire. Hop, plus de général grec. Ça, c'est fait. Donc là, je peux faire une réorientation ou une avance. On va faire une réorientation. Donc là, c'est très très mal engagé pour l'armée grecque. Ensuite, la phase de corps à corps. Donc là, on a également les cataphractes qui ont 9 attaques cette fois. Qui touchent normalement sur du 4 ou plus, mais 5 ou plus parce que c'est des piquets. Et je leur mets que 2 touches. J'ai Tender ou charge, mais c'est annulé par la phalange. Donc je les blesse sur du 4 ou plus. Je leur mets une blessure. Donc ils passent de 10 à 11. Bon, ils sont vraiment très mal parce que maintenant il faut que j'enchaîne mes dégâts avec les guerriers qui ont 12 attaques. Et qui touchent de base à 4 ou plus. Moins 1, 5 ou plus. Il y en a quand même 4 qui passent et je blesse sur du 4 ou plus. Et j'en rajoute 2. Ça veut dire qu'il passe de 11 à 13 points de dégâts. Donc 13 points de dégâts, sachant que c'est des Eevee Pikmin, ils sont à 14-16. Très mal. 4 et 13, 17. Ils sont à 14-16, ils sont détruits. Et j'ai plus de général pour refaire le test. Au revoir les piquets. Donc là, clairement, l'armée grecque, à mon avis, elle est finie. Je vais faire une avance d'un des 3 pouces droit devant. Donc 2. 1, 2. Et je vais faire une réorientation avec cette unité. La phase de corps à corps est terminée. On va passer à la phase de tir avec les 12 tirs à effectuer avec mes immortels sur la phalange. Je touche sur du 5+, je n'ai pas bougé. Je leur mets 3 touches. Et je blesse sur du 4 ou plus. Et j'en mets 3. Donc eux aussi, ils sont mal, puisqu'ils passent de 6 à 9. On va leur faire faire leur test de nerfs. Oula, le départ parti loin, c'est un 5. Je suis obligé de passer sous la caméra. Donc 6 et 9, on est à 15. Les Heavy Pikmin sont à 14-16, ils sont désorganisés. Ils sont pas détruits, c'est vraiment costaud. Et la phase de tir qui va être faite par eux sur eux. Donc encore une fois, j'ai 12 dés. Et je touche à 5 ou plus. Non, je touche sur du 6 d'ailleurs, parce que c'est des, que je vous dise pas de bêtises, c'est des skirmishers, ils sont considérés comme individuels, donc je touche sur du 6. Donc je leur mets qu'une touche, par contre je les blesse sur du 3 ou plus. Et bah j'ai pas mis de blessure, parce qu'ils sont difficiles à toucher, j'aurais dû aller au contact. Là par exemple c'est une erreur, j'aurais dû aller au contact, je les aurais touchés au corps à corps bien plus facilement. Donc c'est la fin de la phase du tour 6. On va partir du principe, maintenant que la partie est terminée. On va faire un petit point ensemble. Donc effectivement, là, le général grec est obligé d'admettre sa reddition, parce qu'il reste vraiment très peu de choses. Dans le meilleur des cas, il aurait réussi à détruire une unité en un tour avec eux, mais il se serait fait enchaîner sur le tour d'après. Donc il y a énormément de pertes chez les Grecs. On remarquera une très très forte efficacité des cataphractes perses qui sont vraiment très balèzes. Les tirs des immortels, c'est pas folichon, mais en fait c'est le petit plus qui fait que les unités arrivent abîmées au début de la bataille, et que donc ils vont tenir moins longtemps en mêlée. Donc les immortels ont joué fond de table, et ils ont fait leur job de tir, et ils ont pris aucun dégât, et ils ont fini des unités au corps à corps. Le général grec a pas forcément été très malin de s'exposer autant sur cette partie, mais il pensait peut-être que ses piquets allaient faire un meilleur job. Et puis de ce côté, on a eu des pertes aussi côté grec, mais c'est rien de fou, puisque côté perse, pardon, parce que finalement les Perses ont perdu une unité de lancier et son unité de psyloi, alors que côté grec, on a perdu les hoplites, des piquets, des lanciers, des skirmishers et surtout le général. On peut voir tout de suite d'ailleurs que la perte du général, bon en fin de partie de toute manière c'est entre guillemets c'est plus ou moins plié, mais perdre son général vite c'est vite problématique parce que vous avez vu que le trait très inspirant des généraux permet de relancer en cas de déroute d'une unité et que parfois ça peut clairement sauver une partie. Donc voilà pour cette bataille, on va dire bravo à l'armée perse et puis à la prochaine pour l'armée grecque. Et voilà, la partie est terminée, donc on peut constater qu'à la fin du tour 6, c'était pas la peine d'enchaîner sur le jet de dés pour savoir s'il y avait un tour 7, et clairement il y avait une réduction de l'armée grecque qui avait aucune chance de gagner. C'est une victoire majeure des Perses, et puis que dire de plus, bah effectivement j'ai déjà dit ce qu'il y avait à dire sur l'utilisation de certaines troupes, etc. Maintenant je vais juste parler un petit peu de méta-jeu, et en fait on va parler simplement du fait de jouer tout seul. Là, pour le bien de cette vidéo, c'était plus pratique pour moi, et puis c'est le premier rapport de bataille que je fais sur cette chaîne, donc déjà j'ai besoin de vos retours. Est-ce que ça vous plaît de voir ça? Est-ce que c'est chiant? Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est mal filmé? Parce que c'est très compliqué de filmer en fixe quand on est tout seul un rapport de bataille comme ça, donc en fait je me suis démerdé à bloquer la caméra en hauteur avec un trépied, enfin, c'est rock'n'roll, mais normalement vous arrivez à peu près à voir quelque chose, donc n'hésitez pas à faire vos retours, ça c'est vraiment important. Ensuite, je vous invite vivement, quand vous découvrez un système de règles et que vous avez évidemment assez de figurines, mais à la limite, c'est pas une restriction absolue parce que vous pouvez jouer avec des bouts de papier, à tester les règles chez vous tout seul. On a tous un petit moment, un dimanche ou en plein milieu de semaine, un soir où on n'a rien à faire. Prenez une petite heure et testez des petits combats comme ça. C'est un très bon moyen de s'approprier un système de règles qu'on ne connaît pas encore très bien. Et puis de voir des petites subtilités à comprendre au fur et à mesure des parties. Évidemment, c'est vraiment pas le plus intéressant, il faut jouer à plusieurs, c'est le but final, mais pour connaître des règles, c'est vraiment une super technique de tester des petites parties tout seul. Donc voilà les petites choses que je voulais dire sur cette bataille, j'espère que ça vous a plu, comme je vous dis, allez-y critiquer à fond, hein, en bon ou en mauvais, je suis preneur. Et puis je vais juste intervenir sur un truc, c'est sur Tipeee. Merci aux contributeurs qui font déjà des petits gestes de temps en temps, merci beaucoup à vous, ça me motive à faire ça, et si vous voulez et là c'est pour tout le monde, si vous voulez d'autres rapports de bataille comme ça, sur Kings of War Historical, mais sur d'autres périodes, sur A.L. César, sur Black Powder pour la période Empire, sur Bolt Action, sur Blitzkrieg, l'art de la guerre, etc. Moi je suis vraiment chaud pour en faire, le seul truc c'est que c'est terriblement long, vraiment c'est long, hein. C'est plusieurs jours de tournage, de montage, etc. Alors pourtant c'est pas du top qualité, je sais que je peux encore m'améliorer, mais n'hésitez pas à faire un petit geste sur Tipeee, même 1 euro c'est que dalle, mais au moins ça va motiver à entre guillemets passer mon temps là-dessus plutôt qu'à bosser ou plutôt qu'à faire autre chose, tout simplement. Donc merci à ceux qui le font déjà et puis merci à ceux qui vont potentiellement le faire. Comme d'habitude, je vous souhaite bonne peinture à tous, bon jeu et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.